Radio Bremen et bienvenue pour ce nouvel numéro de Car et Car, depuis la salle de la Mostros de, del Sirdoc à Béziers. Et puis, qui est ici à Béziers, c'est l'escasence de rencontrer une régionale de l'étape. Bonjour, Mélanie Laupi. Bonjour. Donc, c'est bien l'escasence, donc, elle a le plaisir de rencontrer une Bézirenque, de parler, surtout, d'enseignement public, puis que c'est donc enseigner d'Occitane dans le secteur public. Bon, c'est socio del bureau del Créo Languedoc, mais c'est surtout enseigner à qui, dans cette ville, à qui, à la section d'Occitane, de l'Université de Pau Valéry, à Dunas des Courses, à l'antenne du Guéclin, qui est juste à Pouzit, à qui, del Sirdoc. De qui dispose donc à quelle antenne? Comment faire son enseignement à notre cité? Alors, une antenne de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Alors, en notre cité, il y a seulement la possibilité de prendre l'UCIU pour des mondes qui sont dans un cursus à autre. Donc, c'est une antenne pichotte, il y a moins d'un millier d'étudiants. Et les formations disponibles sont des formations grosses qui ont des succès, comme psychologie, administration économique et sociale et information et communication. Il y a aussi un cursus d'histoire, donc ce sont aquelles étudiants qui peuvent prendre une langue et aussi une heure et demie par semaine l'occitan. Donc ce sont des non-spécialistes. Exactement, ça s'appelle, langue. Pour les spécialistes d'autres disciplines. Ouais, nous, les spécialistes, c'est l'UCIU. Bon, une autre façon de dire, la mettez sur cause. Ouais, enfin, qui. Bon. Et en pagaire la cause de les langues, à Montpellier, on peut prendre une douzaine de langues, à qui n'en passe que quatre, en l'anglais ou l'espagnol d'obligatoire. Mm-hmm. Et après, par la cause entre ou l'anglais ou l'espagnol, c'est pas presque comme langue obligatoire, et le catalan et l'occitan. D'accord. Bon. En concurrence, mais les sports, l'informatique et la culture générale. D'accord. Bon. Ce sont des mondes, aussi, ce sont à quel monde qui a besoin de classe. Ce sont des mondes curieuses, passionnés, ou à la base, en besoin des punes. Une pas toutes. Une pas toutes. Une pas toutes. Une partie de prendre l'Occita, parce que Mambiste, déjà, en a eu l'information que Poudion prenne l'Occita, c'est-à-dire que la zone de ce qui peut y passer à Zakans d'intrade, à Zakans de présentation ou d'études, c'est-à-dire que peut nous prendre l'Occita dans son cursus, aille des étudiants, et la zone ne peut y passer, parce que sous presse d'autres Zakans à Montpellier, aille pas des étudiants. Donc, déjà, quand l'information passe, quand l'an, quand met une carte sur une Occita, aille des étudiants. Et le prénom souvent, il m'a dit qu'il y a des commensaires, donc des mondes qui ont la volonté de commencer une langue nouvelle. Per curiosité, per plaisir, et aussi parce qu'il n'y a pas eu de bonnes notes avant dans sa langue dans le secondaire. Et c'est ce qu'il y a de commencer de zéro, sans parler. Et il y a aussi l'intérêt pour la langue d'ici. Qui, quand l'on demande et pourquoi avec cette cité, il y a qui s'intéresse. Il y a tabé, c'est gu, l'on me convenio, il n'y a pas de place dans nos autres groupes, il y a tabé la cause de per défendre, mais ce n'est pas un problème, parce qu'il peut venir une découverte, une plage vertadier. Ouais. La majeure part, c'est parce que c'est la langue d'Aki, qu'il y a des causes de nos cités, quand dans sa vie, que s'il y a une baisie qui parle, la famille, une cançon. Donc, on a déjà entendu ta part là. Souvent, savons qu'elle fait partie de sa vie, mais quand on leur dit des cases de cité dans ta vie, c'est le premier cours qu'elle fait à Béziers. Oh. Le premier cours qu'elle fait, c'est dès qu'il y a d'autres cités à Béziers. Parce qu'avec l'astre, il y avait toute une fume des cases, comme ça, par le lieu où on t'essaye. Et ici, il y a plein 5 minutes des non-réponses. Et ici, on va poser des questions, on indique, et après, on commence des sorties. Et pour pouvons passer à l'heure et à mettre le tableau complet des causes occitanes à Béziers. D'accord. Et à Béziers, justement, bon, il y a des mémoires. Il y a savait qu'il y a 12 grands lycées. Donc, il y a le lycée Jean Moulin et où tu avais le lycée Henri IV. Hein. Mm-hmm. Ce sont des lycées qui vous sportent, sont justement des étudiants qui préparent une course ou... Eh bien, à Jean Moulin, per malastre, il n'y a pas de courses occitanes. Donc, il y a les réglates. À lycée Henri IV, il n'y a. Et cada année, il y a des étudiants qui ont déjà fait du cita à lycée Henri IV. Et cada année, il y avait des étudiants qui ont une des 13 calendrettes de Béziers. D'accord. Bon, des mondes
à sa bentaz, un minimum. Pas qui que ballon continue, pas perdre, après Gundi, ce qu'en fâche en Occita, après Rabans. Bon, perso que c'est au même public de l'Occita des Faisoum général. Bon, nous escapons un peu des Béziers, qui fait un Bézen, un peu Maillard. L'actualité est une circulaire, tengue in extremis, un fin de quinquennat qui respecte l'offerte d'enseignement. Justement, dès que permet à quelle circulaire comme amélioration de l'offerte de l'enseignement qui repasse flamme pour maintenir nos raisons, bon, qu'on en passe des boulots pas forcément acquis pour manquer des temps belés, mais dès qu'il porte comme amélioration à quelle circulaire obtenue pour faire le coup entre autres. Permettre des sorties d'une fusque juridique qui y a bien, permettre d'affourtir des causes rapport à la réforme du collège qui n'est pas gaire et claire, permet d'avoir des douna la zours d'enseignement, le minimum d'heures d'enseignement, d'organiser amener la circulaire de dire la zours qu'il y a et la possibilité de ces initiatives langue vive bilinguisme comme aussi à quoi se passe remplace d'avoir une circulaire de 12001 qui remet en cause par le Conseil d'État ou le tribunal administratif permet d'esclargir en final les causes. D'accord. Et repasse clair, c'est-à-dire qu'elle repasse organisée clairement, dès qu'elle a le problème. De la réforme du collège. La réforme du collège ou l'enseignement en général ou... La réforme du collège qui n'est pas claire sur bien essayer d'organiser l'enseignement des de l'Occitan. D'accord. Respecter à qui à les EPI ou À qui la circulaire nous dit que le pouding proposa l'Occitan déjà en 6 ans, ce qui est la réforme du collège, il y a des causes qui n'ont pas claires, qui sont toujours pas, mais qu'on nous va adjudant. Et Maïkema, il avait une circulaire nouvelle, tu avais les collègues de nos établissements, en un texte démontrant le cadre d'établissement, que la hiérarchie de l'éducation nationale fonctionne avec les causes officielles. Donc, c'est important pour un collègue d'avoir un texte officiel pour sa PJ et dire à son cadre d'établissement et à ses collègues. D'accord, d'accord. Vous voulez dire qu'une carte d'établissement peut pas trop faire ce qu'elle veut. Avec une réponse, avec un argument de l'Iduna, de l'Imustra, mais c'est toujours compliqué dans nos établissements, pour avoir d'autres citats, pour les servir, pour les augmenter, c'est toujours fois compliqué. Et le cas d'établissement a une poudée grosse, et donc quand on est prof dans un établissement de secondaire, qu'elle en avait reçu un cas d'établissement et qu'elle en a mis d'arguments. Et surtout quand le cap d'établissement a une certaine autonomie à la suite de la réforme du collège. Exacto, à dur ce qu'elle a distribué et donc elle pas. Voilà. Escampe pas la Zoussius, entre elles, l'Occitan. Une circulaire est une appelèche Berthe des Romains constraignant ou. Oh ben, qui est contraint, il y a sous la main la loi, fin finale, mais la circulaire permet de compléter la stière de la cause possible. Dans une communicate, donc la Fédération des enseignants des langues et des cultures occitanes, donc la FELCO, qui est l'UCREO ne fait partie, c'est la section régionale, l'UCREO Languedoc, disent que le texte est. Subordonne pas l'existence d'un enseignement à la signature des conventions entre collectivités territoriales et rectorats, qui sont prévues dans les dispositions de la loi Fillon. À quoi est destinée à des pays comme Auvergne ou Belle-Provence, où il n'y a pas force, où il n'y a pas de convention Et pas sous la main. Pas sous la main, et Lucas, tu avais un co-nostre, et la régie, enfin, avant, dans la région Lengue d'Occitanie, il n'y avait pas de convention. Ouais. Donc, à Covail, entre autres, mais pas sous la main. Dans cette circulaire, il y a explique le débattement du CALR, Conseil académique des langues régionales. Il n'y a pas un émousi, mais à qui d'une académie de Montpellier, capitaine pas d'avoir des CALR comme cal. C'est-à-dire que normalement, les derrière avaient 12 parents, ils ne vous avaient pas. C'est-à-dire qu'avaient la convocation une semaine avant, et donc n'avaient pas l'ordre de jour avant, ils ne pouvaient pas nous concerter, mais tous les partenaires des CALR pour savoir de qui parlaient. Et fois compliqué. Après, une fois, le débat des CALR est compliqué à faire. Donc, qu'est-ce que ce circulaire nous va permettre à mes rectorats, il y a des rectors qui ne sont pas favorables à la langue régionale, parce que si il y a le nord d'Occitanie, comme ici, d'arguments de mailles.
C'est-à-dire que, par exemple, sur une rectura comme l'eau de Montpellier, tabé est complicat, qui tombe si l'enseignement de la langue est plat structurat. Oh, parce que fin finale dépend des rectures qu'il y a, et dans qu'est-ce passe avec une rectur qui est difficile. Difficile. Ruf avec l'Académie de Montpellier, des sexifs qui barrent, avec une organisation, désorganisant, mais des temps pas durs des postes, c'est mal dit le primaire, mal dit des causes qui sont plats installées. C'est une bataille des cadeaux de jour del créo pour maintenir son existence. Il y a une bataille de ménage pour la duberture, mais une bataille énorme déjà pour maintenir ce qu'il y avait sur l'Académie de Montpellier, parce qu'il y avait une rectrice et une carga de la langue régionale qui nous a dû donc pas à le bel contraire. Et avec ça, il y a des témoignages des collègues bostres qui se sont vistes leur section barade ou pas? Eh bien, dans l'Aude, il y a un poste qui est de Biobara, qui fait une mise et miette, qui a annoncé sa baradure. Et donc, les régions, les syndicats, les conseillers pédagogiques font remonter le problème à le créo. Et après, et les syndicats, et le créo, et les collègues sur place, c'est. Contactons le rectorat pour arrêter quelle baradure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail tout est enseigné, ben, pas d'un barat hein, comme voilà. Et donc il y a tout un travail à niveau del créo, de vigilance et de réactivité pour ne pas avoir des postes qui barrent une cop d'une aude, une cop d'une gare. Et soit c'est compliqué, c'est un travail bénévole. Le créo, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de salariat. C'est un travail énorme de vigilance et de batteste quand tu as un rectorat tout style. D'accord. Donc, à qui à Montpellier, un rectorat ou style? Oh. À la Zlingus. Oh, ou dispasse, hein. D'accord. Ou dispasse. Donc, prends-moi la rectoure de Montpellier, dis ça le contraire, qui maintient l'offerte, justement. Oui. Oh. Et ce qu'ils disent, mais après, pour te faire des risoulettes, des sourires et tout plein, mais dans les faces, il y a des endroits qui barrent. Il y a le lycée Joffre, c'est la dernière année qu'il y aura d'Occitane, le lycée Joffre, le lycée du centre-ville de Montpellier. D'accord. Par exemple. Par exemple. Bon. Quand il y a des lycéens, ça balle Pas prou, il doit y avoir des énates. Des énates, bon, okay. D'accord. L'autre événement majeur d'une histoire qui de l'enseignement de l'Occitan, hein, pensez que vous pouvez dire à tal, est la création donc d'un concours de l'agrégation, une revendication de la Sbielios. Bon, mais souvent, il y a quand il y a étudiant, donc une revendication qui est d'actualité. Bon. Concrètement, dès que portario à les enseignants d'Occitan, qui est la passario, donc à quelle agrégation, une langue dite régionale? Oh, dans une agrégation de langues régionales, ce qui est importante pour toutes les langues, c'est une finale régionale, ce qui l'espérant, ouais, rien pas saoulé. Donc, le CAPES fut créé en 1992 et avec l'agrégation des créades. Alors, à niveau individuel, permet à cada professeur, fin finale, d'avoir la mêmes possibilités qu'une autre professeur d'une matière qui ne serait pas langue régionale. C'est-à-dire, tous les collègues peuvent passer la grègue ou passer à l'estatut d'agrégat. Second, il y a toute une organisation de l'éducation nationale pour ACO. Fins ar, n'est pas possible. Donc, il y a une perspective de carrière professionnelle, de monta dans l'hierarchie, de travailler, mais c'est de gagner mai. Donc, fin final, une normalité. C'est un bon slogan, après. Oui, il n'y a que le point. Donc, vous dites au contraire. Donc, pour les individus, ils avaient la même condition de carrière que les autres professeurs. Au final, à quel individuel? À niveau collectif, nous permettra d'avoir d'IPR normales. Une IPR, une inspecteur pédagogique régional. Pour ces IPR, qui allaient s'agrégat de la discipline, comme bien pas d'agrégation d'outils pariés par les autres langues régionales, avions pas d'IPR. Avions des cargats d'émissions. Donc, à quoi nous permettra d'avoir d'IPR normales et est-ce meilleur pour notre enseignement, par exemple, parce que l'IPR nous aide, nous défend et organise tout plein de causes. Et pour le monde qui sont en aquestes postes, les cargats d'émissions qui font le travail d'IPR à la rectorat, leur permettra de se comme les autres tabés. C'est-à-dire, parce que d'une, ce ne sont pas respectés ni par sous collègues d'IPR, ni
per sa hierarchia, donc à qui permettra d'essayer d'in le cadre normal de l'éducation nationale. À quoi va cambier la vie per tout plein de monde. Donc l'occitan ben une matériau normal. Sera une matière normale quand on aura les mêmes conditions que le français ou les mathématiques. Mais rare sera toujours un enseignement qui n'est pas préposé dans tous les établissements, que les écoles, quand veulent faire aussi des coquilles, ce n'est pas dans la fiche pour faire la crousse, et tout plein de choses comme ça. Donc, c'est rien un enseignement, une discipline normale quand on aura notre enseignement possible, quand il n'y aura pas de bataille. Père avait une course d'Occita, quand on ne pas bataille, père avait une salle, quand on ne pas bataille, père avait des scoulances, quand on ne pas bataille, père pouvait prendre l'Occita, que si on au collège, au lycée ou au bac. On en conclure un peu que tout sur une note mais personnelle, et puis que c'est une pionnière en matière d'utilisation des appelettes numériques en Occita. Vous rappelez pour notre téléspectateurs que Mélanie Lopi est une des premières à créer une blog tout en Occita. J'ai l'impression que les Occitanophones, c'est sa bonne place serbie d'avoir les appelettes numériques de votre point de vue d'experte. Je ne sais pas si je suis une experte. Et oui, je pense que le monde est servi à toutes les causes qu'il y a. Toutes les institutions, les associations, sur le site internet, sur sa page Facebook ou autre maillot social, et l'utilisant. Enfin, les maillot social, il y a des mondes qui l'utilisent en Occita, mais au moins que les autres langues, il y a des situations qui l'utilisent, ou ça ne passe. Il y a tabé. La possibilité d'avoir tout son ordinateur en Occitan, merci au travail de tout un an et à la programmation, au travail de Ribirade et de la programmation libre. Donc, à quoi marche. Mais ce qu'ils disent souvent aux étudiants, est-ce que pour faire les DBS en Occitan, Google ne service pas gagne. Ah bon? Parce qu'il trop bon pas pour ne pas trouver des cartes toutes faites, toutes écrites, déjà sur une DB, sur un commentaire des textes. Donc, avec un carré lastre, en tant que professeur d'Occita, qui ne peut pas tout copier à pégade d'Internet. Mais est-ce que sur Internet, vous pouvez dire, par exemple, que toutes les langues sont égales, justement? Alors, de quelle égalité sur Internet? Est-ce l'accès? Ben, oh, il y avait un accès. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en Occitan, vous avez la possibilité. Il n'y a pas des gens qui n'aiment pas de chara. Mais est-ce qu'il y a le monde pour faire à quoi? Prou des mondes pour faire tout à coup, ça ne passe. Après, il y a tout plein de causes positives qui sont en Occitan. Wikipédia existe en Occitan. Et toute une fin des sites qui se sont créés, qui n'ont pas des besoins, comme le congrès, sont avec les applications, les dictionnaires en ligne, le conjugateur, tout à coup. Tout à coup, est indispensable. Alors, nous n'avons pas tant comme d'autres langues. Mais à quoi commence, il y a un temps qu'enseignant utilise force des documents qu'il trouve sur Internet, comme les vidéos par exemple d'Octélé, par exemple. Mais les collègues d'anglais n'ont pas mal la cause. Mais ça fait 15 ans, les collègues qui ont enseigné les Occitans n'ont pas à quels médias, à quels supports, ce qui viennent des supports pédagogiques. Et il y a des mailles. Donc, il me semble qu'il y a des mailles des causes sur Internet en Occitan. Alors, ce n'est pas la langue minorisée, donc il y a mailles des causes sur Internet. Mais à quoi avance? Et bien justement, préparez-vous, par exemple, dans une course des pratiques de la langue, un peu des numériques, justement, enfin, des coussis pratiques à la langue, on dit le monnaie numérique, quoi, quel est le des causes? Alors, on fait déjà d'un pays qui a commencé à la fac, une pratique de la langue, leur demande une expression écrite de faire un blog. Donc, cas d'étudiants, sur 13 ans de licence, cas de semaine, devraient écrire un texte de blog sur son blog qui est créé tout seul. Sur Internet, et c'est une compétence que devons avoir à la fin de la licence, devons avoir C2I, certificat informatique Internet, devons maîtriser déjà l'outil informatique, devons maîtriser déjà Internet, devons savoir faire, donc devons faire, donc leur faut faire en Occitan. D'accord. Là, le réfortiment de la langue per la production et la création. Merci plein, Mélanie Lopi. Avec plaisir, merci à vous d'autres. À qui? Alors, le dernier numéro des Carrecar, d'MP, la salle de l'Aïmostre, del Sirdoc, mais Mélanie Lopi, enseignante à Béziès. Merci plein à toutes et à plein l'air.